Parfait. Bon, bonjour tout le monde, bienvenue à la séance. Je pense que c'est de loin notre plus grosse séance de l'année jusqu'à date. C'est le fun d'avoir plus de participants. Ben, c'est ça. Oui, je vous souhaite tous la bienvenue en nouvelle année 2014. Donc, nouvelle année, nouveau défi ou poursuite de ce sur quoi on travaillait. Aujourd'hui, on va vraiment se fier au document à Letterpad pour l'ordre du jour en réalité. Comme vous avez vu, là, je n'ai pas fait parvenir d'ordre du jour en ligne. J'ai proposé à tout le monde de mettre leur sujet de discussion là-dedans. Donc, on a des sujets, je pense qu'on a de quoi discuter en masse. Fait qu'en gang, je pense on a de quoi occuper notre temps, puis je pense qu'on s'ennuiera pas. Donc, je ne sais pas nécessairement qui a mis quoi dans Letterpad, dans les sujets de discussion proposés. Alors, on va regarder ça ensemble, puis je vais vous demander de vous identifier, ceux-là qui ont mis des choses. Avant, par contre, de commencer dans le quoi de neuf, puis dans la suite des choses, je voulais juste rappeler, c'est François, en fait, François Guy Fleurant, qui m'a rappelé que la revue Spectre va faire une édition thématique éducation aux adultes l'an prochain, puis il souhaite avoir des textes de la part d'intervenants en sciences aux adultes. Donc, si vous êtes capable d'écrire un petit quelque chose, la revue Spectre vraiment cherche des contributeurs, cherche à avoir des textes. Pour parler de notre réalité, pour parler de comment on vit, ou encore comment on anticipe la réforme, aux adultes. Donc, si vous avez des idées, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, ce sera très bienvenu. Le document que vous voyez présentement à l'écran, c'est justement pour l'appel de texte. Alors, si vous avez des textes à soumettre, ben, vous pouvez écrire directement à François Guy Fleurant ou Martin Lahaye. Donc, le document de l'appel d'écriture est dans les documents à télécharger. Je vous invite à le prendre puis à le consulter. Comme on peut voir, là, si vous déroulez un peu à l'écran, la date de dépôt, c'est le 1er mai. On parle d'articles de 2000 mots. Fait que pour le reste, ben, je vous laisserai lire ça là, à un autre moment. Donc, maintenant, si on passe à Letterpad, on regarde ça. Donc, dans le bloc, quoi de neuf? Premier sujet, atelier portant sur la science techno retenu pour la QFGA. Est-ce que c'est quelqu'un d'entre vous qui a soumis ce sujet-là? Est-ce que la personne qui a écrit est présente. Non. Code de couleur, c'est pas toi, ça, Christophe, qui a écrit ça? Non, c'est pas moi. Je l'ai marqué dessus. Louise. Donc, Madame Roy, je vous inviterai soit à poser vos questions ou à apporter vos commentaires si vous avez de l'information là-dessus. Ben, tu peux le dire, c'est vous autres, en fond. Vous autres, Là, vous je peux présentez partir. deux ateliers. Prends le C'est micro. Louise qui le présente. Présent. Okay. On parle de quoi exactement? OK, donc c'est Cyril. Là, je suis un peu perdu parce qu'on me passe le flambeau d'un coup comme ça, puis je savais plus exactement. J'étais dans la technique plus que dans le. J'écoutais d'une oreille distraite, je le confesse. Donc les deux ateliers, c'était. C'est où C'est le c'est blog. écrit? OK, le blog. OK, on a décidé de proposer deux ateliers. Qui s'adressait à deux publics différents. Le premier public, c'était plus, je dirais, les gestionnaires puis les conseillers pédagogiques. Puis l'autre atelier s'adresse plus aux enseignants et aux conseillers pédagogiques, d'une certaine façon, sur un peu les conditions gagnantes qui ont fait qu'on a mis en place l'équipe qu'on a actuellement, qu'on a impliqué les enseignants, comment ça s'est fait dans notre coin à nous
le début de l'implantation de la science techno. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Et qu'est-ce que, au niveau des gestionnaires, a fait que ça a pu avoir lieu aussi, le travail qu'on fait avec les enseignants actuellement. Donc, c'est un peu pour présenter ce qui, pour nous, a été des conditions gagnantes dans notre milieu, et de partager l'expérience, puis aussi d'avoir le retour des personnes, aussi leur point de vue, puis leur vision à eux aussi par rapport dans leur coin, dans leur centre respectif. Donc voilà, c'est un peu ça l'ambition des deux ateliers. Puis en fait, je rajoute aussi, moi, j'ai écrit. On vient de perdre le groupe, Moi, je suis toujours là, mais j'ai perdu l'Etherpad. Ouais, ça, moi aussi, je l'ai effectivement perdu. Ça a planté. Au moins, on avait encore Cyril qui nous expliquait à l'oral quelles étaient leurs ambitions, mais disons Ah oui, on a que. perdu tout le monde de Rivière-du-Nord. Ouais. Moi, j'ai pas perdu l'Etherpad, par exemple. L'Etherpad fonctionne pareil, moi. Christophe, tes 8 ateliers ont-ils été acceptés? pas tous, mais dans le fond, j'en avais proposé un où j'étais seul. J'en avais proposé, en fait, officiellement, c'est un des enseignants de ma commission scolaire qui a déposé un autre atelier, même si, bon, officieusement, j'ai fait le dépôt, mais c'est lui l'animateur principal, bref, en co-animation. Ça avait été accepté. Fait que c'est notre variante sur le projet du haut-parleur, là, on le fait faire à des élèves, puis pour l'instant, on n'aurait pas grand-chose à dire parce qu'on ne l'a pas encore vécu. Mais c'est ça nous donne d'ici avril pour le faire avec les élèves. Là, le projet est, je crois, prêt à être donné en classe. Je sais que les deux enseignants concernés faisaient du recrutement. Donc, j'ai hâte de voir combien d'élèves ça va toucher. Mais on se lance dans la conception techno. On offre un petit sigle maison. Puis on va en parler à la QFGA des résultats de ça. Toute la démarche, les difficultés vécues, autant par nous que par les élèves, etc. Et on a un projet particulier aussi, un projet interrégional, moi puis Doris. Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale. Ça aussi, ça a été accepté. Puis finalement, l'atelier avec toi, François, là, si ta copine n'a pas accouché d'ici là, on pourra donner ça ensemble. Ou sinon, ben, si tu peux pas, je le donnerai tout seul. Mais l'atelier sur les SAE en sciences techno, ça aussi, c'est accepté. Fait que pour moi, pour les quatre ateliers pour lesquels j'avais fait des soumissions, ou du moins que j'étais co-auteur, ben, il y en a trois qui sont acceptés. Ça fait que mon boss va falloir qu'il me paye mon admission pareil parce que le seul où j'étais animateur principal, lui, il a pas passé. C'est dommage, mais je suis vraiment content pour le reste. Je vois qu'on a l'équipe de la CRDN qui est de retour, donc je vous repasserai le flambeau. Tantôt, vous étiez. La technique nous a épuisés. Ah. Oups! OK, vous avez été sorti physiquement de votre local, hein? C'est des choses qui arrivent. Bon. Est-ce que l'Etherpad fonctionne à nouveau? Oui! Super! Donc, Bonjour, est-ce on que est vous nous de retour. entendez clairement? Oui, regarde, Oui. ça a quelque Très clairement, Cyril. Parfait. Bon, ben alors c'est ça, oui, on a été éjecté, pas du local, mais c'est plutôt la technique, c'est l'ordinateur en fait qui a planté pour une raison qu'on ne connaît pas.
C'est vrai que c'est ça. Donc, c'est normal dans la vie, dans ce genre de connexion. Je pense que ça arrive au moins une fois. Est-ce que j'ai été clair dans ce que je vous ai présenté ou ça paraissait un peu fouillis? Moi, ça me semblait clair. Je ne sais pas pour les autres. Je ne vais pas me prononcer au nom de tout le monde non plus. Okay. Donc, c'est ça, ce qui fait que c'est un peu l'angle d'approche qu'on a choisi cette année pour ce qu'on présente à la KFGA. Je ne sais pas s'il y a des questions. On a un peu manqué, par exemple, ce que vous présentez de votre part. Là, j'ai entendu, Christophe, que tu présentais trois ateliers ou co-présentés. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi... Non, pour l'instant, dans le fond, pendant votre absence, c'est François qui m'a demandé, puis toi, la myriade d'ateliers que tu avais proposés, ils ont-ils été retenus? Donc, j'étais le seul là, à m'être avancé pour l'instant. Avant qu'on passe à autre chose, j'avais effectivement une question. Donc, vous parliez tantôt que c'était pour relater un peu votre expérience d'implantation des nouveaux programmes en sciences techno, donc, je comprends. Vous avez commencé à offrir les nouveaux cours, est-ce que c'est ça? Non, pas vraiment, c'est pas ça. Nous, c'était plus, la mise en place des conditions nécessaires à ce qu'on puisse travailler sur le nouveau programme, puis à ce qu'on puisse faire en sorte que l'équipe d'enseignants... bouge en pas d'un seul bloc, parce que ça, on n'arrive pas à faire ça non plus, que tous les enseignants s'en aillent dans le même sens tout le temps, mais au moins se sentent impliqués. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pu faire en sorte que les enseignants soient dans les rencontres qu'on organise et tout ça, participent tout le temps, puis s'impliquent en tout cas le mieux qu'ils peuvent. Puis, je dirais toujours, on réussit quand même à atteindre nos objectifs à chacune des rencontres qu'on a organisées. Donc, c'était un peu qu'est-ce qui nous a permis de faire prendre conscience aux enseignants que c'était important de s'y mettre maintenant, d'y réfléchir, puis de s'impliquer pour vrai. Donc, des fois, on voit moins vite parce qu'il faut faire avancer tout le monde. Mais c'est un peu ce choix-là qu'on a fait. Et ce n'est pas arrivé par magie. Il y a eu des décisions de direction qui ont été prises, il y a une organisation qui a été mise en place et tout ça. Puis c'est de ça dont on va traiter. OK. Donc, les conditions qui vous ont permis de travailler, justement, comme vous avez réussi à le faire là, jusqu'à maintenant pour la formation, pour la préparation à l'arrivée du nouveau programme. C'est ça. Puis aussi pour préparer du matériel, mais que ce ne soit pas nous qui le fassions. C'est les enseignants qui doivent s'impliquer là-dedans parce qu'ils savent que c'est du matériel qu'eux vont devoir utiliser avec leurs élèves après. De trouver des moyens qui ne soient pas trop lourds, qui rentrent quand même dans le temps qu'ils ont pour quand même qu'ils mettent la main à la pâte dès maintenant, disons. Ah, c'est bon. Bon, moi, ça répond à mes questions. C'est très clair de cette façon-là. Et oui, puis maintenant, je pense que la question de Louise tantôt reste très pertinente. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui proposent des ateliers pour la QFGA pour ce printemps? Mais, moi, j'en ai deux, mais pas en sciences techno. OK. Des ateliers j'en ai en maths, un... j'imagine. Un en maths et un sur l'évaluation, sur un outil qu'on a créé à la commission scolaire pour valider les situations d'évaluation en FBC, mais qui pourrait servir pour les programmes aussi FBD, mais pas pour sciences techno. OK. Bon. Je peux te demander, on pourrait-tu parler après la fin de la rencontre? Parce qu'on est un peu là-dessus, là, nous autres, à la commission scolaire. Oh oui, pas de problème. Excellent. Bon, on dirait que je perds le son un peu. Eh oui. Je perds la voix aussi, mais ça, c'est une autre affaire.
Jocelyn, est-ce que tu nous entends? Oui, m'entendez-vous bien? Je voulais juste répondre à la question des ateliers à la KFGA. Moi aussi, c'est deux en mathématiques. Je ne sais pas si c'était ça la question, si c'était des ateliers en sciences techno ou peu importe la discipline, là, mais j'en ai deux en mathématiques. Les maths, c'est connexe aux sciences. Les maths, c'est connexe aux sciences. C'est connexe. Oui. Une qui porte sur un cours de secondaire 3 avec utilisant la technologie en classe, et l'autre porte sur. C'est un outil, c'est un ordinateur tactile qu'on utilise en classe, puis qu'on voulait présenter. C'est pour l'enseignement des mathématiques et des sciences. Est-ce que tu es capable d'utiliser ta webcam? Webcam. Ma webcam. Okay. Mais vous m'entendez? Vous m'entendez, je crois. Est-ce possible, c'est ça? Mais moi, Christophe, je t'entends très peu. C'est extrêmement gros décalage et de perte, c'est ça, c'est peut-être mon ouïe qui disparaît, mais c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans cette situation-là? Est-ce que pour les autres, le volume est bon? Non, là, ça vient d'augmenter, là. Oui. OK. Bon, ben, on espère que ça va continuer comme ça. Écoute, de ton côté, Diane, est-ce que tu vas présenter des ateliers à la QFGA cette année? Mais non, mais honnêtement, là, c'est peut-être parce que je suis dans un autre pays, un autre monde, là, mais c'est quand la QFGA cette année? Et où? C'est le 11 avril, ça va être à Québec. OK, oh. Non, je regarde mon calendrier et non, je ne vais pas à l'EQFGA et j'ai pas présenté d'atelier, mais je suis même pas certaine que je vais pouvoir y aller parce que je suis comme passablement, moi je me suis trop chargée, je pense cette année-là, je me suis hyper chargée jusqu'à la fin du mois de mai, après ça je tombe, mais c'est ça, je vais voir là pour les dates là. C'est ça. Je sais qu'il y a j'ai appris hier qu'il y avait une rencontre des RSP à Québec fin février. Donc là, ça, je ne savais pas. J'ai pu l'intégrer. Mais non, mais j'imagine que c'est fini les appels d'atelier pour la QFGA. Oui. Oh. Les gens qui avaient fait des propositions ont déjà reçu leur réponse là, okay. À savoir s'ils le donneraient ou pas. OK. Fait que meilleur ben, ouais. Ben, l'année prochaine, je pense que je vais devoir, je vais essayer de m'y prendre plus tôt, là, mais je ne serai pas dans le même contexte pour présenter, pour parler de biologie. Mais là, je n'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps de. C'est ça. Voilà. C'est bien correct. François, je vois dans le bloc Quad 9 qu'il y a un dernier petit point, donc je t'inviterai à en parler, le congrès de la STQ. Que c'est toi qui merci. Ça, que... Ouais, merci Christophe. En fait, c'est en lien avec l'appel de texte également. Lors de ce congrès-là 2014 qui risque fort bien de se dérouler à l'UQTR à Trois-Rivières, on va faire une journée thématique éducation des adultes. Là. Je l'ai quand même déjà dit à quelques personnes. Là. Donc, autant les gens qui écriront que d'autres membres comme vous qui avez présenté des ateliers dans d'autres congrès, bien sûr, vous serez invités à collaborer à l'animation de cette journée spécifique à l'éducation des adultes qui, elle, sera incluse dans un congrès d'enseignement des sciences au sens large. Donc, c'est comme un colloque dans le congrès, finalement. Puis, je pense que ça va être une bonne journée où on va pouvoir échanger et on risque d'être, certains vont commencer peut-être à expérimenter, puis on va être vraiment
un point tournant peut-être là, dans l'enseignement des sciences. Donc, en espérant que cette journée-là, qu'il y ait des gens finalement, autant qui participent ou qui animent là, pour que ça soit un succès. Donc, c'était comme un petit scoop que j'avais pour vous. C'est bon. Bon, ben, écoute, je pense que je sais comment je vais occuper mon automne l'an prochain. C'est bon à savoir. Puis je suis content que ça se passe, ça, tu sais, qu'on sente justement qu'il y a une volonté de faire une place à l'éducation des adultes dans l'organisation, dans la SPQ, dans la province en général. Moi, je suis content de ça. Daniel? Ouais, puis il y avait quand même une bonne participation aussi à Rivière-du-Loup, là. Il y avait quand même une bonne représentation des gens, des adultes, dont beaucoup de ce coin-là là-bas. Fait que peut-être qu'il y aura encore plus de gens là, en ayant une journée thématique spécifique. Oui, Daniel, tu as levé la main, donc je te laisserai la parole. Mais c'était juste pour dire à François que ton appel de texte pour les gestionnaires a été entendu ici, puis il y a une direction de centre qui voulait qui dans le fond qui s'est offerte pour faire un texte sur l'implantation des labos. Donc Oui, j'ai tu devrais communiqué avec elle aujourd'hui. Ah, OK, Madame Carole Crevier. Crevier, c'est ça? C'est ça, oui. OK. Bon, c'est bon. Ben oui, Puis Richard m'avait coulé l'information. OK, c'est bon. OK. Puis ben possiblement qu'on va ben pas possiblement. Là, on va te faire quelque chose, moi et Martin Lacasse, pour le numéro aussi, là. Super, on est bien content, merci. Pas de problème. Bon. Ça, c'est super. Donc, je pense que ça règle le point quoi de neuf. Quand je regarde dans Letterpad, je vois que dans des pratiques gagnantes, cette fois-ci, on n'a rien. Donc, il n'y a personne qui a envie de se vanter de quoi que ce soit cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait de bons coups, mais écoutez, moi, pour ma part, j'ai rien à partager, justement. J'ai rien de tellement nouveau à raconter. Donc, je présume que c'est la même chose pour tout le monde. Donc, je propose qu'on passe tout de suite à vos défis. Donc, je vois qu'il y avait un premier point dans les défis, c'était de savoir jusqu'où développer les connaissances en anatomie en troisième secondaire. Donc, si c'est quelqu'un qui est là présentement, je ne sais pas si ça vient du groupe de Rivière-du-Nord aussi ou si ça vient de quelqu'un d'autre. Mais peut-être expliquer un peu plus c'est quoi l'interrogation là-dessus. Ah oui, bon, ben, François qui nous écrit qu'il doit partir. Fait que bonne fin de journée, François, à la prochaine. Ouais, comme je disais là, pour le commentaire sur les connaissances en anatomie. Donc, si la personne qui a écrit ce point-là est là, je vous inviterai à vous prononcer puis à préciser vos questions au groupe pour qu'on puisse peut-être répondre mieux ensemble. Oui, Diane? Mais moi, j'ai pas écrit la question, mais j'ai un début de réponse, du moins. Diane, ça coupe. Là, est-ce que vous m'entendez On mieux? Là, est-ce que vous Oui, m'entendez c'est mieux? bon. Oui. OK. Donc, techniquement, je sais que je pourrais diviser mon écran, mais est-ce qu'il aurait été possible d'avoir, au lieu d'avoir l'appel de texte, d'avoir Letterpad devant nous, au lieu de je pose la question, là, au lieu de naviguer dans les deux parties? Je pose la question, mais je réponds au questionnement pour les connaissances anatomiques du cours de secondaire 3. Je répondrais que c'est pas plus approfondi que les autres connaissances. Il y a tellement de contenu que, évidemment, on peut pas aller dans. C'est pas un cours de biologie. Donc, c'est jamais aussi approfondi que la biologie de cinquième secondaire ou en tout cas au niveau là, des cours qui portent sur
Je pense au système squelettique, musculaire ou même le système digestif. Bon, donc c'est effectivement, je pense, c'est un survol, puis c'est plus aussi le fait de comprendre comment le corps humain fonctionne et de pouvoir, c'est ça, de façon générale, puis de voir les liens, c'est ça, de comprendre comment il fonctionne, de voir les liens pour le maintenir en bonne santé. Mais là, ça dépend des cours, évidemment. Là, il y a des cours qui sont plus axés sur qui sont plus axés sur la techno, donc les liens avec la techno. Il y en a d'autres qui sont plus axés sur peut-être le défi de le maintenir en santé. Donc c'est variable, mais bon. Puis il y en a un qui est plus l'évolution, puis c'est plus de la biologie, mais c'est pas, c'est ça, c'est pas poussé à fond. Et pourquoi on dit que le programme n'est pas détaillé? Ben c'est que ça va pas plus loin que ce qui est les connaissances à construire. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Je ne sais pas qui avait questionné. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voudraient ajouter à ce que je viens de mentionner. Oui, c'est en fait, c'est nous qui avions posé la question. C'est Louise, à notre insu, qui avait posé cette question-là. Mais ça répond, oui, assez bien. On avait cette impression aussi qu'on ne devait pas aller trop dans les détails. Mais malgré tout, il y a quand même on parle du système musculo-squelettique, il y a quand même des muscles à nommer, il y a un certain nombre. Ce qu'on se demandait, c'est faut-il qu'ils connaissent à ce jusqu'à quel point ils doivent connaître des noms d'os, des noms de muscles, des noms de. C'était plus à ce niveau-là, la quantité, l'étendue plus de ces connaissances, de ces connaissances-là. Oui. Non, c'est ça, je comprends. Je regarde justement le programme présentement. Moi, je suis pas dans le 30-61 présentement. Je sais pas, je suis tombé dans le 30-62. Et je regarde sur le système urinaire, par exemple. On parle de la vessie, on parle du rein, mais effectivement, on parle pas d'écrire la structure du rein. On parle pas des composantes internes. On parle pas de vue en coupe du rein ou de quoi que ce soit. Donc, je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il faut juste l'expliquer dans une logique, du moins ça c'est ma vision, juste l'expliquer dans une logique globale. Donc, voici, ceci est le rein, ça sert à filtrer et puis finalement filtrer le sang, faire sortir les déchets, faire balancer au niveau des électrolytes. Puis au-delà de ça, je pense que c'est tout, là. C'est mon impression du moins. J'imagine qu'on pourrait vérifier aussi dans dans le matériel ou dans le programme qu'il y a au secteur des jeunes. On sait que un des mandats que les rédacteurs du programme avaient, c'était de faire un programme aussi similaire que possible à celui du secteur des jeunes. Donc, si des fois il nous manque de précision sur certaines questions, je suppose qu'on peut aller valider avec l'autre programme. Oui, Oui, mais c'est sûr, on est très on regarde beaucoup ce qui se passe au niveau du secteur des jeunes. On travaille avec RPI, avec Synergie et tout ça. Mais il y a quand même pas mal de détails qui sont donnés justement dans ces ressources-là. Puis quand tu regardes les schémas anatomiques qui sont présentés, il y a quand même beaucoup de noms, beaucoup de muscles, beaucoup d'os qui sont nommés. Je comprends qu'on peut en rester au niveau des fonctions, au niveau de à quoi ça sert, comment c'est, comme c'est dit par exemple dans le programme, nommer les principales parties du squelette, puis en parenthèse, il parle de tête, thorax, colonne vertébrale, membre inférieur et supérieur. Mais quand on regarde dans les ressources en question, ils vont beaucoup plus dans les détails que ça, malgré tout. Alors, c'est là que est-ce que c'est juste informationnel pour dire à l'élève, ben voilà, on nomme des choses, mais t'as pas à les connaître en tant que tel. Toi, il faut surtout savoir à quoi sert tel muscle, quelle est sa fonction, quel type d'articulation, etc. Mais ne pas aller plus loin, ne pas les apprendre, ne pas les connaître. Là, c'est moins clair parce qu'il y a quand même, comme je le dis dans les ressources telles qu'ERPI ou Synergie, il y a beaucoup d'informations qui sont données. Effectivement,
peux le constater. Donc, je laisserai la parole à Diane. Peut-être que tu as un élément de réponse là-dessus aussi. Mais j'ai l'impression, moi, que les ressources, les éditeurs du secteur jeune, ils ont conservé leur matériel qui existait déjà pour le cours de biologie, puis ils ont ajouté à ça l'univers matériel. Donc, ils ont fusionné au lieu de retirer donc de l'information, ils en ont ajouté. C'est peut-être la raison pour laquelle bon, il y a autant d'informations. Moi, ce que je me disais, en tout cas, quand je regardais les possibilités de situation d'apprentissage, c'est que un élève qui va travailler sur un sujet, bon, si son sujet porte sur le diabète, ben il y a des chances qu'il y ait une partie du corps humain sur laquelle il va pousser un peu plus loin, puis d'autres parties qu'il va laisser de façon plus superficielle. Donc, ça va dépendre du sur quoi son travail va porter, ou c'est les sujets qui vont être choisis, les situations d'apprentissage qui vont être choisies. Mais bon, là, pour le reste, comment ça va être évalué dans les DDE de secondaire 3 qui sont accessibles? Mais on voit qu'il n'y a pas, en tout cas, il n'y a rien pour l'instant qui me laisse penser qu'il va y avoir beaucoup de par cœur. Maintenant, c'est sûr, l'avenir nous le dira quand on va voir les examens de BIM. Moi, je parierais pas gros, gros là-dessus, là, sur des grosses parce descriptions de structures ou des charges. Je m'attarderais pas là-dessus pour l'instant. Peut-être très général et global, là, mais certainement pas poussé. Mais certainement plus utilitaire ou situationnel. Oui. C'est ce que je comprends. Donc, du programme. Programme. Oui, équipe de sciences, on va vous laisser la parole. Oui, donc, c'est ce que je pense. J'entendais pendant que Diane faisait son commentaire, je voyais des têtes hochées autour de moi. Donc, je pense que c'est un peu aussi la même compréhension. On en était venu à avoir cette compréhension-là du fait que les situations d'apprentissage qu'on va monter vont faire en sorte que l'élève va creuser un peu plus un aspect parce que c'est le thème autour duquel est montée la situation. Donc là, il ira un peu plus loin, mais pour le reste, on s'en tiendrait justement au niveau de détail dont Diane parlait. Ce qui fait que je pense que ça a répondu à nos questions. Oui. Moi, je peux ajouter un autre petit quelque chose. J'ai l'impression que souvent le matériel pédagogique au secteur des jeunes va plus loin que ce qui est exigé dans le programme. Ça fait quelques années que j'ai pas vu le programme du secteur des jeunes, mais quand j'ai eu ma formation en enseignement, évidemment, c'était dans le cadre de ce nouveau programme-là. Mais comme j'ai pas enseigné le cours de secondaire 3 de sciences au secteur des jeunes, j'ai un peu oublié qu'est-ce qu'il y avait spécifiquement dans le programme. Mais je pense vraiment que s'il y a des interrogations ou quand on utilise du matériel du secteur des jeunes comme IRPI, Synergie, Sciences Techno chez, je pense que c'est Grand-Duc, ou Sciences Tech chez Grand-Duc, bref, et quand on utilise ces manuels-là, je pense que ça vaut la peine, là, dans le doute, de se référer vraiment au programme du secteur jeune, comparé un peu avec le nôtre. Mais je pense que les commentaires que vous venez de faire, autant Diane que l'équipe Sciences Techno à la CRDN, je pense que oui, on s'enligne là-dedans, là, que les situations d'apprentissage vont là où on va approfondir. Et que le but, c'est, j'ai pas l'impression, en tout cas, que le but de ces programmes-là, c'est d'être très en détail dans l'anatomie, dans les différents systèmes. Diane, je te laisse la parole une fois.
Oui, mais ce serait pour terminer. Dans le fond, peut-être que vous avez commencé à regarder les cahiers de la SOFAD, mais c'est la même réflexion. On remarque qu'ils ont conservé du contenu qui est pratiquement identique, qu'il y avait dans les cours précédents, mais qui est pas vraiment, bon, qui est touché maintenant, mais pas beaucoup. Mais ils ont quand même gardé la même ampleur en termes de volume d'informations, puis ça. Et c'est ça, donc j'ai l'impression que les éditeurs, bon, ce qui est déjà construit, ils le gardent, puis ils rajoutent. C'est le sentiment que j'ai, là. Puis là, je fais juste penser à la SOFAD, là. Et je regarde ce qu'ils ont comme ce qu'ils ont mis dans leur cahier, en comparant avec les anciens, puis en comparant avec le programme. Donc, comme tu disais. Voilà. Effectivement, je pense que les éditeurs en général ont été très, très, très en détail sur tous les savoirs qu'il y avait dans le programme. Donc, je pense que ça arrive souvent que ça va plus loin que ce qui est demandé autant aux adultes qu'au secteur des jeunes. Ben, des fois, c'est le fun d'aller plus loin, ça donne un complément de matière, mais il faut savoir faire le tri entre ce qui est vraiment exigé puis ce qui est un complément intéressant. Pour l'élève, si on prend un élève qui a de la difficulté en particulier, qui a de la misère à arriver dans les temps déjà, eh bien, ce qui est considéré comme de l'information complémentaire, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra sauter. Donc, c'est sûr que ça va faire appel au bon jugement de l'enseignant, hein, quand on va être rendu à donner ces cours-là pour savoir qu'est-ce qui est vraiment au programme et qu'est-ce qui est supplémentaire. Et sinon, quand je regarde dans vos défis, je vois qu'il y avait aussi comment faire le tour des savoirs du cours SCT 3061 en 25 heures. Comme le commentaire était de la même couleur en surlignement que l'auteur du commentaire précédent, j'imagine que c'est encore l'équipe Rivière du Nord. Donc, Eh non, c'est pas nous. ben c'est nous qui avons fait oui le 25 Ah, heures, c'est mais pas le nous. commentaire. Ah. Pas le commentaire. En toi. Oui, la question de commentaire, donc j'imagine que c'est parce que le sigle il est chargé, qu'il y a beaucoup de savoir, puis que vous vous demandiez comment ça va être possible d'y arriver en 25 heures. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. On a commencé à travailler sur ce sigle-là. Et puis, justement, le système musculo-squelettique, jusqu'où on va. Mais en plus, il y a le langage des lignes, il y a les engrenages. Voilà. Une bande matérielle. Un peu? Ouais, l'univers Oui, matériel, un c'est peu ça. l'univers matériel. Donc, on se demandait si on n'était pas pour faire 3061 et 3062 comme en continuité, puis de faire un genre de 75 heures pour les deux, là, je ne sais pas. Parce que ça fait vraiment beaucoup, le 30-61 pour 25 heures avec tout le matériel, parce que là, les élèves, ils voient le langage des lignes. C'est là qu'ils ont l'initiation au langage des lignes, puis aux engrenages et tout ça, qu'ils vont voir ensuite en secondaire 4. Donc, si on part trop rapidement là-dessus, on est obligé de tout leur voir. Oui. Je te dirais que quand j'ai vu ce commentaire-là écrit dans Letterpad, la question de comment faire en 25 heures, c'est vraiment chercher une interrogation que j'avais eue aussi, puis j'en avais déjà discuté avec François qui montait une situation d'apprentissage pour le cours. François m'avait dit, ça marchera pas, là. Ma situation d'apprentissage, elle va prendre au moins 25 heures, puis ça couvre pas tous les savoirs du cours. Ça fait que je pense que malheureusement, en termes de temps, je vois mal, moi aussi, là, comment ça va vraiment marcher, comment on va réussir à s'en tenir à 25 heures pour voir tout ce qu'il y a à voir. Je pense que 25 heures, le langage des lignes, les propriétés mécaniques, les contraintes, les matériaux, on voit aussi là, alliage à base de fer, métaux et alliage non ferreux, matière plastique, bois et bois modifié. Ça, avec le langage des lignes, puis un petit peu d'électricité en plus au travers.
En 25 heures, non. T'sais, 50 heures, je pense que c'est plus réaliste, là. 25 heures, c'est d'un joyeux optimisme, à mon humble avis. Oui, Ouais, moi aussi. l'équipe, je vous laisse commenter. Ouais, ben, je pense qu'on pourrait s'entendre au niveau, ben, en tant qu'équipe, ou de dire que c'est un cours où il ne faut pas essayer de s'en tenir à 25 heures, parce que premièrement, en principe, ça va être le premier cours de science que nos élèves vont faire. Donc, il va y avoir aussi tout l'apprentissage, comment fonctionner en laboratoire et tout ça. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Je pense qu'il va falloir vraiment dire, on ne peut pas le faire en 25 heures, il va falloir allouer au moins 50 heures si on veut faire ça correctement, parce que sinon, ça va être du garochage, puis on ne va pas vraiment former nos élèves. Parce qu'il y a toute l'analyse, il y a toutes les c'est ça, comment faire un rapport de laboratoire, comment se préparer, tout ça. Puis je pense qu'il faut bien préparer nos élèves, puis c'est en partant. Donc, il va falloir vraiment se dire comme équipe, ce cours-là, on met plus de temps. C'est tout. Ouais, je pense que les directions qui vont offrir les cours de secondaire 3 vont devoir composer avec cette réalité-là. Ça va être aux équipes de sciences de dire à leur boss, malheureusement, non, c'est l'exigence de temps n'est pas réaliste, il faut passer plus d'heures. Après ça, les autres cours de secondaire 3, je pense qu'il y a plus de chances que ça rentre dans le temps. Des fois, ça me semble quand même chargé, mais je pense que c'est possible d'y arriver. T'sais. Je pense qu'au moins, les autres sigles, tu prends un bon élève, ça se fait. Là, c'est ça, 30-61, ben, ça va valoir la peine de s'asseoir en équipe matière puis dire, OK, combien de temps on passe? Puis aller le dire au boss après, dire, ben, les profils d'élèves, ce cours-là, ce n'est pas 25 heures, c'est 50. Puis, ouais, je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir s'enligner. Oh, tout à fait. Sinon, j'ai. Ah, ben, c'est super, merci, hein, l'équipe de la CRDN d'ajouter au bloc-notes Etherpad. Moi, ça va me simplifier, hein, quand je vais faire mon compte rendu de la rencontre après, là. Copier-coller, je vais être bien content. Merci beaucoup. Bloc, on jase pour jaser. On a fait le tour de vos défis, à moins que si vous avez quelque chose à ajouter dans vos défis, si vous avez des défis personnels là, à mentionner, levez la main tout de suite là avec le petit icône ou même avec la webcam en levant physiquement votre main, ça peut aller. Donc, ce serait le temps de vous prononcer. Sinon, on va passer au petit bloc qu'il y a dans On jase pour jaser. Pas de main levée. Main levée, parfait. Daniel? Oui, Daniel, je te laisse la parole. Je t'entends pas. Daniel, est-ce que tu m'entends Oui. encore? OK, Moi, je c'est vous bon. entends. Là, vous m'entendez? Oui, je t'entends. OK. Dans le fond, ce que je disais, c'est que j'étais tout à fait d'accord avec ce que Louise et Cyril disaient. Mais j'ai peut-être. Puis, surtout, quand ils disent qu'à un moment donné, ça vaut la peine de prendre un peu plus de temps pour s'assurer que les élèves comprennent, puis au lieu de tout garrocher, puis s'assurer de rentrer ça dans 25 heures, je pense que. C'était une sage réflexion. Peut-être une stratégie qu'on pourrait prendre pour nous aider quand même à gagner un peu de temps, mais je ne pense pas qu'on peut s'arriver nécessairement en 25 heures pour ce cours-là. C'est peut-être un peu la stratégie qu'on a prise quand on a animé notre atelier à l'ASTQ. Moi et Martin Lacasse, on a fait un atelier sur les mini-montgolfières. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. De l'approche qu'on a employée. Je pourrais peut-être parler de ça. Ça peut être une piste de solution pour couvrir peut-être un peu plus de matière en peut-être en un peu moins de temps.
Donc, est-ce que vous connaissiez cet atelier-là qu'on avait donné? Moi, je n'avais entendu parler par toi, donc OK. OK. je te OK. Bien, dans le fond, laisserai. Moi, je le ce qu'on a connais un peu, moi, c'est sûr. Ah oui, Cyril le connaît parce que on fait partie des fois des mêmes rencontres. Mais dans le fond, l'idée, c'était que on a abordé le dans le fond, l'idée, c'était de fabriquer une mini montgolfière, puis d'accrocher les concepts scientifiques qu'on peut couvrir avec ce projet-là. Donc, loi de Charles, Boyle-Mariotte, la loi des gaz parfaits, la poussée d'Archimède, bon, etc., etc. Fait qu'on a commencé l'atelier en énumérant les concepts scientifiques qu'on peut rattacher avec ça. Et après ça, le punch était dans la façon qu'on a fait ça, c'est qu'on a dit au prof, bon, voilà notre intention pédagogique, c'est toucher à ces concepts-là. Et puis après ça, bon, ben, vous avez du matériel sur le comptoir. Fabriquer une mini montgolfière et puis on se revoit dans à peu près 45 minutes pour faire un retour là-dessus. Là, il y a comme eu un silence dans la salle. Les profs nous ont regardé puis on a dit moi j'ai dit je vous sens un peu déstabilisé, y a-t-il une raison? Puis là, ce qu'ils nous disaient, c'est que ben oui, mais c'est quoi ton protocole? T'as-tu un plan? T'as-tu quelque chose? Puis là, j'ai dit ben non. Des mini montgolfières, des plans, il y en a. Il y en a une flopée sur Internet, vous allez pouvoir en trouver un. Faites celui que vous voulez avec les matériaux que vous avez. Puis, il n'y a pas de problème. Fait que, puis la seule chose qu'on a dit, c'était pour l'allumage, pour le lancement, parce que pour le il y a, comme façon de faire chauffer le ballon, ce qu'on avait, c'était des chandelles de gâteau, des chandelles d'anniversaire, du gel à fondue, mais aussi un pistolet chauffant, là. Le pistolet décapeur. Fait qu'on a dit, quand il va arriver le temps de faire le lancement, bien, on veut que ça se fasse dans l'ordre. Ça veut dire qu'on veut être là, puis on va s'assurer de la sécurité. Puis il y a une aire de lancement qui était dédiée à cette étape-là. Mais pour le reste, vous y allez comme vous voulez. Puis quand on a fait le retour à la fin, on a dit aux enseignants, si on vous avait fourni un protocole précis, que tout le monde soit en mesure, que tout le monde est en mesure de le réaliser. Est-ce qu'on aurait pu toucher au même concept? Et on dit oui. On dit maintenant, là, ce qu'on a sorti, c'est toutes les compétences polyvalentes, chercher l'information, tout ça. Puis ça, on le touchait parce que à ce moment-là, chercher l'information, travailler en équipe, chercher des réponses à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique, tout ça. Parce qu'à chaque fois que la montgolfière fonctionnait pas, mais les participants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, bien, on va grossir le ballon, on va diminuer du poids, on va faire ci, on va faire ça. Puis là, ils cherchaient une solution. Tandis que si tu leur donnes, ce qu'on a tendance souvent à faire, c'est de donner un protocole précis, puis de l'expliquer pour s'assurer qu'ils ne fassent pas d'erreur. Mais l'erreur est souvent un moteur d'apprentissage aussi. Fait que c'est comme ça qu'ils apprenaient à un moment donné, qu'ils disaient, ah ben oui, à un moment donné, il y a des profs qui me disaient, ah mais ça fonctionnera peut-être pas parce qu'on est trop proche de la fenêtre, puis la fenêtre, c'est froid. Puis pas tellement bien isolé. Je dis, est-ce que ça va être mieux ou ça va être pire? Est-ce que c'est vraiment la température ou c'est l'écart de température qui fait une différence? Puis là, tout ça, toute cette réflexion-là, pendant l'action, ça nous a sauvé du temps, puis ça l'a permis aussi d'apprendre, parce que là, il était vraiment en recherche de solutions. Puis à la fin, mais toutes les équipes, sauf une, avaient réussi à faire une montgolfière qui a volé. Mais ce qui était plus intéressant, c'est que qui vole ou qui vole pas, les apprentissages ont été là pareil. Puis ils étaient plus engagés parce que le protocole, justement, n'était pas précis. Tandis que si tu leur donnes un protocole précis, s'il ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ben, c'est de la faute du prof, c'est son protocole qui est justement pas précis. Tandis que là, c'était quoi que ça ne fonctionnait pas, mais c'est leur solution qui n'a pas été la bonne. Donc, ils étaient plus en apprentissage. Donc, ça peut permettre de gagner du temps des fois. On passe beaucoup de temps à expliquer pour s'assurer que les élèves ne fassent pas d'erreur. Mais on peut considérer l'erreur des fois comme un moyen de faire apprendre aussi. Fait que c'était ça que je voulais vous dire dans le fond. Finalement, moi, ce que j'en retiens, c'est de prendre des situations d'apprentissage ouvertes, puis de ne pas se gêner, de donner des possibilités à l'élève, de les Ça. laisser travailler là-dedans, de les laisser évoluer, puis que contrairement à ce que certains profs pensent, ça fait gagner du temps plutôt que d'en perdre, c'est bien ça?
C'est ça, c'est exactement ça. Oui, fait que c'est sûr que les situations d'apprentissage avec lesquelles on va travailler, ça va, s'ils sont bien faits, ça va être très aidant. Tu sais, quand des situations, ouais, il y a des situations d'apprentissage qui nous ralentissent, mais il y en a qui accélèrent le processus d'apprentissage. Donc, c'est vrai que le matériel est toujours très important. Je laisserai la parole en réponse à ça à l'équipe de la CSRDN. Oui, donc on a écouté très attentivement l'expérience de Daniel puis, et Martin. C'est extrêmement stimulant. Puis c'est sûr que ça demande un certain degré d'autonomie chez les élèves. La façon dont on voyait un peu les cours de secondaire 3, puis le secondaire 4 qui suit, on voyait aussi que l'élève allait gagner en autonomie au fur et à mesure de ces cours-là. Je me demande si les situations ouvertes, un peu comme dont Daniel parle, est-ce que pour des élèves qui débuteraient un premier cours de secondaire 3, donc qui sont là pour se familiariser un peu avec différentes approches scientifiques qu'on leur présente dans les cours les cours qui vont suivre, si dès le départ, ces élèves pourraient être mis dans un bain de ce style-là, et si ça devrait pas y aller, si on devrait pas y aller de façon un peu graduelle pour les amener à être un peu plus autonomes avec des situations qui graduellement deviennent de plus en plus ouvertes. C'était ma question, selon vous. Oui, mais moi, ce que... Oui, ben ce que je dirais, c'est tout à fait raison, Cyril, que évidemment ça demande de l'autonomie, mais je pense qu'on peut tabler dans certains cas, dépendamment des situations, sur la magie du phénomène. Là, dans le cas qu'on avait, c'était quelque chose que tous les participants voulaient le voir voler leur ballon. Puis ils étaient motivés à le voir voler, donc ils cherchaient une solution. C'est sûr que quand le phénomène, comment je pourrais dire, donc la représentation du phénomène est un peu drabe, ça donne pas grand-chose, bien là, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a moins de motivation. Mais dans ce cas-là, tout le monde voulait voir son ballon voler. Donc, on peut peut-être tabler dans certains cas sur ça pour se permettre des situations plus ouvertes. Avec les profs. Ben, pas avec les profs, mais avec les élèves. Bon. L'équipe ou M. Rostam, vous laisse commenter? Oui, je vais poursuivre. En fait, j'ai perdu mon idée. C'est Daniel qui m'a troublé. Il a parlé de magie, puis là, j'étais parti dans autre chose. Mais écoutez, je vais vous revenir là quand ça va revenir parce que là, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai oublié. C'est bon. Si vous le retrouvez après la fin de la séance, parce que là, on a un deadline bien sonné aujourd'hui, René ne peut vraiment pas dépasser le temps, donc il nous reste à peine quelques minutes. Si vous le retrouvez juste après la fin de la séance, Etherpad est disponible, vous pourrez l'écrire après. Peut-être que vous l'avez retrouvé, je vous laisse la parole. Oui, c'est tout à fait ça, j'ai retrouvé. En fait, je voulais dire que dans le cadre d'un atelier, tous les participants font la même activité. Dans le cadre d'une salle de classe ordinaire, on est avec des élèves qui sont dans différents niveaux. Tu sais, on est en situation multiniveau. Des fois, des activités de ce style-là, c'est moins évident à mettre en place. Par contre, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est moins évident à mettre en place. Ça demande peut-être de faire sortir certains élèves, de les amener dans d'autres locaux pour qu'ils puissent faire leurs expérimentations. Ça demande une gestion... une organisation un peu plus flexible, mais c'est une contrainte, disons, aussi, qui pour ce style de situation-là. L'élève ne peut pas faire ça à son bureau, à sa place, en tout cas, ça dépend, là, mais dans le cadre d'expérimentation de ce style, la donnée aussi du temps limite est importante. Ils avaient
Ils avaient 45 minutes. Ça met une certaine pression. Ça concentre la concentration, j'allais dire. En tout cas, les élèves sont obligés d'aller fouiller, de trouver des bonnes solutions, de laisser de côté celles qui, a priori, ne donneraient pas de résultats assez vite. Ils sont obligés vraiment de se poser les bonnes questions. Donc, le temps limite est important. Donc, ce n'est pas des projets à long terme, a priori. En tout cas, donc, c'est des considérations là, qui me venaient à l'esprit. Les classes multiniveaux, puis le temps limite. Donc, ça demande une organisation particulière. Oui. Ça, c'est une réalité. Ça revient à chaque fois. J'ai l'impression que depuis le début de l'année, à chaque séance de la communauté de pratique, c'est quelque chose qui est récurrent. Ça va demander une organisation, de revoir l'organisation un peu. On ne peut pas tout chambouler, ça va rester des classes multiniveaux. Comment on s'arrange pour faire vivre des vrais SAE à nos élèves dans ce contexte-là? C'est un défi, puis ça va mériter d'y réfléchir en équipe matière. Daniel, je te laisse la parole, puis je pense que ça va être la dernière intervention avant la fin, le fil, puis je te laisse la parole pour l'instant. Bien, je vais faire ça rapidement. Je voulais juste dire que c'est peut-être ce qui va nous sauver justement de ce genre d'expérimentation-là. Ça se fait plus facilement quand tu n'as pas 30 élèves à t'occuper, puis tu en as peut-être juste 3, 4, une équipe à le faire, parce que c'est pendant qu'ils le font qu'il faut que tu sois présent. C'est là que, à un moment donné, tu lui dis, moi j'ai vu des montgolfières où est-ce que la nacelle était plus grosse à l'ASTQ, la nacelle était plus grosse que le ballon. C'est là que tu leur dis, tu peux les pister. Tu sais, à un moment donné, dire, tu en as déjà vu des montgolfières, c'est quoi le rapport de proportion? Pourquoi tu penses qu'on prend un gros ballon, tout ça? Puis à un moment donné, ils s'aperçoivent que, ah oui, mais ma structure va être trop lourde, ou des choses comme ça. Quand tu en as 30, ça devient difficile. Fait que peut-être que c'est possible, justement, parce que tu as d'autres élèves qui travaillent plus dans leur cahier ou sur des choses qui demandent moins d'accompagnement. C'est ça. Bon. Donc, là-dessus, on va devoir conclure. Comme je disais, là, au niveau du temps, on est plus serré aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde. Merci pour votre super belle participation, autant au niveau des interventions à l'oral que la prise de notes qui fait tout seul. C'est génial pour moi. Vraiment, merci à tout le monde. Je suis très content de comment ça s'est déroulé aujourd'hui. Des beaux échanges, je trouve, puis on n'a pas nécessairement des réponses à tout, mais ça nous donne des pistes de réflexion, ça nous permet de partager nos avis. Fait que j'espère vous retrouver en février. Là, la date qui avait été retenue en début d'année, malheureusement, va devoir être changée. La prochaine rencontre était supposée être le 25 février. Comme vous savez, ça va être la rencontre des RSP de la DEAC, donc toutes les RSP, on va être invités à 2 jours d'ateliers et de formation, les 25 et 26 février. Donc, je ne sais pas à quand je vais remettre, il faut que je consulte mon agenda, ça risque même de ne pas être un mardi la prochaine fois, dès qu'on a une date d'arrêté pour la communauté de pratique de février, je vous la communique par courriel, donc je vous tiens au courant. Au plaisir de vous revoir. Puis Daniel, en particulier, peux-tu noter mon numéro de cellulaire? Je suis pas au bureau, donc je te donne mon numéro de cellulaire pour faire des FBC. Est-ce que tu as un papier et un crayon? Oui, oui, 418? Oui. J'en ai. Oui. 930? Oui. 3503. Parfait. Bon ben, salut tout le monde. Merci encore, puis bonne fin de journée. Bye tout le monde.